Les complexes. J'aime pas mon nez, j'aime pas mes jambes, je suis trop gros, je suis trop maigre. Mais arrêtez avec ça, vous êtes tous beaux. Vous avez tous quelque chose qu'un autre n'a pas. Et je vais vous le prouver de plusieurs manières. À première vue, c'est vrai qu'on va toujours distinguer le beau du moins beau et selon nos critères à nous. Mais au fond de vous-même, soyez sincères. Combien de fois vous avez trouvé quelqu'un de beau la première fois et avec le temps, vous vous êtes rendu compte que cette personne ne dégageait rien. Le genre de personne qui n'espère vivre que sur un physique, sans rien lui apporter. C'est comme avoir une magnifique voiture, mais une fois à l'intérieur, on se rend compte qu'elle est vide et qu'elle n'a pas de moteur. Donc c'est bien beau l'extérieur, mais si tu n'avances pas, à un moment donné, tu vas te faire doubler, et même par les personnes que tu considérais moins beaux. Ensuite, il y aura cette personne qu'on n'aura pas forcément remarquée à première vue. Cette personne chez qui on n'oserait pas trop s'aventurer. On va parler par exemple des handicapés, ceux pour qui on a plus de peine que d'amour sincère. Alors qu'en fin de compte, ces personnes-là ont peut-être une défaillance, mais cette défaillance a fait naître tellement de bienfaits en eux. Ces personnes ont tellement enduré par la souffrance, la douleur et aussi par le regard rabaissant des autres, qu'aujourd'hui ils ont fait naître en eux un trésor que très peu de personnes méritent. Seules les personnes qui les côtoient se rendent compte. Ils se rendent surtout compte que le vrai handicap, il n'est pas chez eux. Il est chez nous. Et il n'est pas physique, il est mental. On oublie aujourd'hui que pour être heureux, il ne faut pas forcément être le plus beau de tous, ni avoir le meilleur corps. Aujourd'hui, pour être heureux, il faut savoir vivre de choses simples. Et encore mieux, réussir à rendre heureux. Et rendre quelqu'un heureux, ça te fera devenir une personne à ses yeux encore plus belle que les personnes que tu considérais plus beaux que toi. Tu feras naître en ses yeux des qualités qui au départ étaient pour toi des complexes. Car au fond, les complexes, quand on réfléchit bien, ça l'est uniquement pour nous. Par des défauts qu'on pense avoir, on se met à la place des autres et on pense que ces personnes-là nous regardent avec nos propres yeux. Et très souvent, les complexes disparaissent une fois qu'on arrive à les combler. À toutes les personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre pourquoi un tel est en couple avec un tel, parce qu'un tel est plus belle que celui-ci ou que celui-ci est plus belle qu'elle et on n'arrive pas trop à comprendre, certains diront que le plus beau, la plus belle est avec l'autre parce qu'il veut des intérêts. Mais si c'était pas toujours pour un intérêt matériel, si la personne était réellement heureuse, est-ce que 90% des gens n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui, c'est que des gens beaux, il y en a des millions. Mais des gens qui arriveront à te porter jusqu'au bonheur, il y en a beaucoup moins. Et beaucoup se diront, mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous a obligés à regarder qu'avec les yeux. Et même si nos yeux au départ nous servent à regarder, on en a aujourd'hui perdu l'usage. On pleure notre beauté jour et nuit à force de passer à côté de ce qui est réellement beau. Sauf que l'extravagance a du mal à reconnaître la beauté intérieure. Et chacun ne reconnaît l'autre qu'avec ce qu'il est. Rappelez-vous des bienfaits que Dieu vous a donnés, et même si vous n'en êtes pas satisfait, dites-vous qu'il y en a qui rêveraient de les avoir. Et c'est souvent en perdant l'usage d'une chose qu'on se rend compte de ce qu'on avait. Je parlais récemment avec une personne qui avait perdu ses jambes, et elle m'avait dit « Beaucoup de personnes trouvent leurs pieds moches, trop gros ou trop petits, mais moi, j'aimerais juste en avoir. » Et après ça, pour dire la vérité, on se sent vraiment bête. Regardez ceux qui ont moins pour ne plus être complexés de ce qu'on a. Un jour, j'avais entendu un homme dire une chose qui était vraiment magnifique. Il suffit de regarder la différence entre les animaux, du lion au singe, de l'aigle au coq, et que chacun d'eux sont ce qu'ils sont, avec leurs différences, leurs forces et leurs faiblesses. Mais chacun d'eux apporte une chose qu'un autre ne pourrait apporter. Donc on peut se plaindre une éternité de nos corps, tant que le cœur, lui, ne sera pas en éveil, notre miroir trouvera chaque jour de nouveaux défauts, jusqu'au jour où notre cœur s'éveillera pour endormir nos défauts. Et la paix sur vous.